sexualité. Vous commencez bien. Quand ça arrive vers le stade de fiançailles, le gars disparaît de lui-même. Pourquoi? Parce que depuis le jour là, son grand-père avait libéré une odeur sous sa fille. L'odeur de sa présence, l'odeur de son corps. Elle était jeune, mais elle portait l'odeur de son grand-père. Toute forme d'odeur démoniaque qu'on a déposé dans ton corps, par le Marie-Esprit, tu sois de ta famille, tu sois des os, tu sois de l'environnement, cette odeur va quitter ton corps. Ce matin, je te déclare, je vais répandre sur toi un nouveau parfum, sur le parfum de sa présence, l'odeur de sa gloire. C'est pourquoi quand on prêche des choses spirituelles, il faut pas prendre ça à la légère. Il se passe des choses quand on dort. Comme on est matin, on ne saura pas aller trop loin. Mais voilà là où je vais atterrir. La Bible dit cette nuit-là, la fille a volé. Elle a volé le fils. Donc pour couper l'histoire courte, ma fille s'est réveillée le matin. J'ai aimé ce qu'elle a dit à l'église. Un 31 décembre, pendant que nous célébrions le nouvel an, on a passé à la délivrance. Alors où je vous parle, elle a eu un très bon mari. Adam a 38 ans, mais un très bon mari. Mais s'il croit un mari qui sait s'agenouiller, un mari serviteur, qui l'honore, elle a un sourire. Mais ce mariage-là, pour la voir, elle a eu ça dans la bataille, elle a eu ça dans la guerre, elle a eu ça, elle a exposé sa vie sous le froid, comme tu vois. Parce qu'elle comprenait les réalités. Il y a certaines choses dans ta vie, tant que tu ne te révolteras pas, elles resteront attachées. La Bible dit dans Genèse 14, qu'ils ont été dominés pendant tout ça. À la 13e année, ils se révoltaient. Ça dit, quelqu'un a dit, droit c'est droit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a certaines choses dans ta vie, il faut que tu te fâches, pas physiquement, mais spirituellement, pour arracher ton héritage. Ma fille m'a dit ceci, elle a dit ça devant l'église. Depuis le jour où j'ai fait ces règles, je ne dors jamais après 2 heures du matin. Ça dit, elle reste debout comme ça, elle te prie comme une folle. Elle a imposé un système de prière, elle commence à prier que de 22h à 2h. Parce qu'elle a compris là, il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de cadeau. Si moi-même je ne me lève pas, d'ailleurs ma maman là, elle est riche. Tout ce que je lui dis là, elle ne comprend pas. Elle est tellement en sommeil que je n'ai pas le temps de tout dire. Si moi-même je me lève pas, personne ne me prendra ce temps. Personne. Quel héritage que tu vas avoir? Comment tu veux dormir de 19h, tu te réveilles à 9h? Et pendant toute cette nuit, à ta première carte, où qui était? Et tu t'attends à recevoir quoi? Ma fille a dit dans le témoignage, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Il dit, depuis ce jour-là, je ne dors pas comme tout le monde. Quand tout le monde dort, une fois, elle m'a même dit, maman était venue. Elle a cherché à couper sa prière. Elle me dit, ah, toi, c'est quoi? C'est quoi ton problème? J'ai pris trop. Maman, j'ai pris trop. Si tu pouvais savoir ce qui se passe dans ma vie. J'ai 35 ans, mais je suis marié à mon grand-père. Comment tu vas expliquer ça? Physiquement, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais spirituellement, ça agit. Ah oui? Elle portait sur elle le masque de son grand-père, mais personne ne pouvait voir. Mais qui voyait ça? C'est tout mari qui s'approchait pour l'épouser. Quand vous causez, tout est bien. Dès qu'il commence à faire la démarche, le grand-père libère l'odeur.
misi solwana. Ye mo bo mo na be pela mo ba abisi nga mutosu ba bi papa na bella bella Julien. O ba na suka. Na tuni Julien. Polim sala ma tuni. O lo nga solo Julien lo wi. Ese na yo a lo solo. Mais abima na eta pe se nso tote. C'est le seul qui lui a dit chaque fois dans son a poussé un bébé le roi la mobali na simbi otra di peka. Na ko ke lo mo ko so, c'est dit seulement que bingi le roi muta kufa. Mais le roi moi c'était parce que tu je t'aimais déjà. Moi dans le besoin na supportant te na yo mon bala bon côté deux fois tes trois fois tes mais ça m'a trop. Son a septième fois na ko ka sous solo na tende na kenda na nga. Je l'ai vu c'est Luca ba sala nzam. Mais son otalié, elle sent bon. Parfait de odorant, il y a bien. Moi, c'est à Taïta Moulaï. Maintenant, nous sommes là, Bibem. Tant que nous sommes là, 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 la combat Yesu. Amen. Dis-le l'eau, ça va prier, moi. Dis-le l'eau. Et puis tu as sali bon, mon bimba. Et ça te rend à 3-0 pour bouger 0. Au cas, mon bimba. Tu coûtes rien à ton bon amour, venez à Bengue au Benga. Pour y faire la lame, ce sera la lame, ça va être au mot yate. Au sacal. Le bas, c'est ma lame à ton papa, va dans la lame, ça n'a pas de bon. L'homme a été en train de se faire. Quand je suis salamé, salamé. Je suis jeune fille à la mouki. Quand la maman ne soit pas dans la bébé, réflexe à l'hypothèse, c'est que maman la mouki est en train de se faire. Elle est en train de se faire. C'est que j'aime dans ce texte. La Bible dit, après avoir regardé attentivement. C'est-à-dire, ensuite, tant il y a qu'à étudier, il y a qu'à observer. Il y a qu'à poser ma question. Juste moi, à tombole, qui est ici. Oh, moi, j'ai regardé. Frère, de fois dans ta vie, ce qui te tue, parce que tu n'as pas le temps de te regarder. Aux hommes, tu as la hypocrisie. Aux hommes, tu as la sonnie. Aux hommes, tu as la complaisance. Aux hommes, on se consolait la plus grande latine. Mais c'est la Nzambe. Il y a ce problème, les Nzambe. Il y a un problème, les années que ma carte, je ne vais pas aller à Tchao de l'État. Il y a un cas Nzambe. Quand on a un sac esprit, les gens vont là. Va travailler, va trafiquer, esprit non même na kata boutou. Il s'est fait des choses que tu ne comprends pas. Mais ça ramène à glacier ça. Non, on va vous voir ton bobis esprit, nos bibles, qui a tout le temps. Moi non, la bota qui est ôté. Moi non, la bota qui est ôté. Oh, ils ont vu n'angate. Oh, ils ont vu mon roi, ça l'a échange. Bien, le transfert, il y a boutou et salamaka. Ah, ma voix le transfert en l'homme, il venait d'échanger. Quand l'homme l'a ramené, et ça la maca, dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 11. Vente, il y a ma partie à nous autres, salamaka. Vente, il y a ma âme, salamaka. Ma voix sur ma killer, ma laquelle, ma bête, ma continue à nous autres, et salamaka, na kataboutou. Dans mon sang, ça nous autres, on a moi, si ton amour, il rêve, parce que la kata sémence à mon bal, il y a son sang. Parce que ma kila mutu mo kaza na mama na botutu na famille a sangali no mukolo na tikilo mio soko tambola na. Même physiquement ça se fait comme ça. Beaucoup de femmes souffrent, beaucoup d'hommes souffrent parce que tu n'as pas une certaine discipline na vie na. La femme n'est pas seulement la femme parce qu'on monde a la taille à sa propre mais ma kila na yende so sa la vie na. Elle mutu su na vie mukola li boso pesi enzo to teki destiny. T'es qui destino, t'es qui étoile, t'es qui nios. Et tu souffres des problèmes que tu ne comprends pas. La tombe à la mouka, le refessile, la loi c'est moi, le refessile. Vie n'a pas fait changer, n'est-ce pas? Il faut que donc il m'a tellement obéi sur la sika. Comment tu peux chanter les mêmes cantiques chaque année? Chaque mois, tu dois te révolter. La tombe à la moukabi rien. Abe ma copine. Gate, gate, you mouka na doki. Oh, na gamon doki. Te, moi non, na na moua, gate, zayou. Gate, ce qui bon, toi, que n'est pas Salomon.
Bakke pas Salomon, Salomon akata masolo. Abi mukolo mwana ye. Frère, le moment est arrivé, nzamba zom selo frevi na yo. Restaure ma paix, restaure ma santé, restaure mon étoile. Shima ma yolo, tere ma likou.